Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le contenu coupé du remake de Resident Evil 4 par rapport à l'original. En effet, bien que les développeurs avaient annoncé qu'aucune scène ne sera coupée pour ce remake, comme c'était le cas avec Resident Evil 3, eh bien, il y en a finalement pas mal qui ont disparu. J'ai pu en noter 10 très exactement, mais peut-être qu'il y en a plus, et je vous laisserai le soin d'en parler en commentaire. On commence avec la fameuse séquence du choix, juste après la scène de survie dans la cabane de Louis. Dans l'original, vous avez en effet à ce moment-là le choix entre deux chemins. Celui qui mène vers les sœurs Bella, à gauche si mes souvenirs sont exacts, ou celui qui mène vers un second El Gigante, à droite. Et bien dans le remake, vous n'avez tout simplement plus le choix. On vous impose un chemin qui mène obligatoirement aux sœurs Bella, le second El Gigante, lui, n'existe tout simplement plus, ou a plutôt été transféré au château lors de cette fameuse séquence où il nous balance des rochers dans la gueule. Le deuxième contenu coupé fait suite directe au précédent puisque tout juste après avoir choisi d'affronter les sœurs Bella ou le second El Gigante, vous avez dans l'original une séquence en téléphérique qui est plutôt cool où l'on doit se défendre face à des ennemis qui nous envoient des haches. Cette scène a été tout bonnement supprimée dans le remake, bien que le téléphérique soit visible non loin de la cabane de Louis. Et c'est vraiment dommage car ça aurait été une bonne occasion pour nous entraîner au contre-couteau en essayant de renvoyer les haches si ce passage n'avait pas été supprimé. En troisième, nous avons ce que j'ai appelé les épreuves de Salazar ou les pièges. Appelez ça comme vous voulez, mais ça représente plusieurs petites portions dans le château. Comme le fameux moment avec le plafond qui nous tombe dessus où l'on doit tirer dans des espèces d'interrupteurs pour l'arrêter. Le moment aussi où on a un moine qui conduit une machine bizarre qui veut nous broyer, ou encore les haches que l'on doit esquiver en sortant des prisons du château. Eh bien tous ces petits pièges ont disparu du remake, sans doute pour donner un aspect plus réaliste à l'aventure. Tout comme la fameuse salle de la lave avec les dragons cracheurs de feu qui a disparu, cette salle mythique, presque autant que la salle d'eau, était sans doute un peu trop what the fuck pour être refaite dans le remake. Après tout, on va pas se mentir, quel est son intérêt dans le château? Je crois que c'est juste pour récupérer un levier, un truc comme ça. Honnêtement, des moines qui chevauchent des statues de dragons cracheurs de feu, vous trouvez ça normal? Bon bah voilà, ça montre à nouveau que Capcom a voulu retirer tout le côté un peu fantaisiste de l'œuvre originale pour donner un peu plus de crédibilité à l'univers de Resident Evil 4. Si je vous dis cultiste à la Gatling, ça vous parle? Eh bien cette scène n'existe tout simplement plus dans ce remake. Et c'est notre quatrième contenu coupé. Alors cette salle était vraiment stylée et offrait pas mal d'action dans l'original, entre les nombreux moines dispersés un petit peu partout qui voulaient notre peau et celui au centre à la Gatling qui ne nous lâchait pas d'une semelle. Eh bien c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mis dans ce remake, mais c'est une fois de plus compréhensible car c'est complètement what the fuck d'avoir ce genre d'installation dans un château. En cinquième position, même si c'est pas du tout un classement, nous avons la fameuse scène de défense d'Ashley juste après la mort de Louis par Lord Sadler, et juste avant de la jouer elle. Souvenez-vous, cette séquence nous a tous fait rager la première fois qu'on l'a faite. Il faut en effet dans un premier temps tirer sur les espèces de barreaux qui bloquent Ashley, et on va pas se mentir, on lui a tous déjà collé une balle sans le faire exprès. Mais c'est pas tout, parce que juste après l'avoir libérée, on doit la défendre contre une horde d'ennemis qui cherchent à la capturer. C'était une séquence bien relou dans l'original, mais mémorable, qu'on aurait aimé voir dans le remake, un petit peu revisité, histoire de tester notre précision aux armes à feu. Le sixième passage coupé, c'est tout ce qui concerne la statue de Salazar, et surtout la poursuite sous forme de QTE. Alors, la statue est toujours présente dans le remake, mais elle est mixée à une autre scène de l'original, et finalement, bah, ça se ressemble plus trop. Déjà, nous n'avons plus l'espèce de puzzle où l'on devait activer les bras de la statue pour atteindre les leviers et faire monter des plateformes. Et nous n'avons pas non plus la séquence de poursuite qui s'ensuit. Et ça, c'est bien dommage, bien que, une fois de plus, on comprend totalement pourquoi ça a été supprimé du remake. Une statue qui nous poursuit, c'est complètement what the fuck. Est-ce que vous aimez les fêtes foraines? Eh bien, vous voyez sûrement où je veux en venir pour ce septième passage coupé, puisque je vous parle ni plus ni moins de la fameuse séquence de gameplay où l'on doit choper des ennemis avec la grue au niveau de la décharge. Et ça se passe sur l'île, je crois, la dernière zone du jeu. Là encore, on sait pourquoi ça a été coupé du remake, c'est complètement what the fuck, mais c'est vraiment un passage drôle que j'aurais aimé rejouer.
Huitième, je ne sais plus si c'est avant ou après la scène de la grue, mais en tout cas, c'est tout aussi culte, c'est le fameux passage où Ashley conduit le bulldozer. Alors là, ce passage, il nous a rendu fous la première fois, voire même les autres en fait, parce qu'il est assez compliqué. Entre les camions qui nous foncent dessus et les ennemis qui sautent à l'arrière pour nous attaquer, c'était le bordel. Puis il y a le petit passage où on s'arrête pour aller activer un ascenseur, descendre des leviers, tout ça. Et en même temps, on doit faire attention à Ashley, qu'elle se fasse pas buter dans son bulldozer. Bref, cette scène est vraiment culte dans l'original. Eh bien, elle a été coupée du remake, ou plutôt remplacée, puisque cette fois-ci, Ashley ne conduit plus vraiment et se contente simplement de mettre des coups de boulet de démolition dans un mur pour le faire céder. C'est une nouvelle version plutôt sympa, mais beaucoup moins hollywoodienne. Et en parlant d'Hollywood, la neuvième scène coupée, ce sont les lasers. La fameuse séquence complètement what the fuck. Alors là, la plus what the fuck de tout le jeu, je crois, c'est la scène où Léon doit éviter les lasers. Et elle n'existe tout simplement plus du tout dans le remake et n'a aucun équivalent. Tout comme la plupart des contenus coupés en fait. Et c'est dommage, mais c'est totalement en adéquation avec la nouvelle vision du remake. Et enfin, le dixième contenu coupé, lui, n'a aucune excuse. Hein. On peut pas dire que c'est la nouvelle vision du remake, que c'était trop what the fuck, etc. Ça concerne une grosse portion du jeu original. C'est le combat contre le boss U3. Ou ça, Hit. Il a un nom bizarre. En effet, celui-ci est complètement absent du remake et on ne sait pas pourquoi. D'autant plus que U3 est mentionné dans un fichier du remake. On peut le trouver dans le château de Salazar. Alors certains supposent qu'il pourrait s'agir du second Verdugo qui sert Ramon Salazar, puisque dans ce remake, le second Verdugo ne fusionne pas avec lui lors de son affrontement. Alors je suis prêt à parier que ce boss, on le verra dans la campagne de Ada qui arrivera plus tard dans l'année, Separate Ways, qui elle aussi sera revisitée du coup. Ce serait une bonne surprise. Néanmoins, cela reste une simple théorie de ma part et pour le moment, à date, il est regrettable de ne pas avoir ce combat dans l'aventure principale avec Léon. Voilà donc pour les 10 contenus coupés de Resident Evil 4 Remake. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est évidemment dommage d'avoir supprimé ces scènes, mais les trois quarts ne sont que des petits moments de seulement quelques minutes, donc pas de quoi pleurnicher. Et puis, contrairement à Resident Evil 3 Remake, le contenu coupé a soit trouvé un équivalent, soit a été remplacé par un contenu tout nouveau. Je pense notamment au second El Gigante dans le château, qui lui n'était pas dans l'original, ou encore tout le passage en wagon avec Luis qui a été boosté aux hormones. Donc au final, le remake est tout aussi généreux que l'original. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ces coupures vous dérangent ou pas? Avez-vous une préférence entre le remake et l'original? Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres scènes qui ont disparu par rapport à l'opus original. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Tchuss !